Voilà, donc erreur aussi assez fréquente et qui m'arrive régulièrement, c'est le coup de poignet, le mouvement des mains. Donc qu'est-ce que tu peux conseiller pour travailler ça? Sur les petits putts comme ça, c'est vraiment le plus important, c'est de garder le putter square. Là on voit, dès que le putter se ferme, la balle part soit très à gauche, soit très à droite, et c'est pas ce qu'on veut. Donc moi j'ai un petit exercice que j'utilise beaucoup, soit en tournoi, soit à l'entraînement. C'est vraiment de pas faire de backswing. Donc je ne vais pas monter le putter. D'accord. Par contre, je colle le putter à la balle directement. Uh-huh. Et là, j'essaie de garder mon putter square durant toute la traversée. Okay. Et donc, ça, je fais ça quelques balles pour sentir que mon putter ne tourne pas ou alors ne s'ouvre pas. Mais vraiment, reste dans la même ligne jusqu'au trou pendant toute la traversée. Donc je fais ça quelques balles et après, je reprends des putts normaux et tout ça, ça m'aide à garder cette sensation vraiment de putter qui reste dans la ligne, qui reste bien square et pas qui se tourne ou qui s'ouvre à l'impact.